Bonjour les amis, bienvenue sur Parc ATM. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel Un jour un parc. On est cette fois-ci dans le dernier parc Walibi qui me manquait, Walibi Rhône-Alpes, donc c'est situé dans l'Isère, dans l'est sud-est de la France. Donc c'est parti pour découvrir. Et déjà première chose, il y a de la musique de Planet Coaster à l'entrée du parc, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Walibi Rhône-Alpes, comme l'ensemble des parcs Walibi, possède une histoire un peu chaotique sous base de pas mal de rachats et de changements de nom, etc. Donc, il a ouvert en 1979, ce qui est quand même relativement vieux, sous le nom d'Avenirland, et ce parc n'a duré sous ce nom que 2 ans, car il a... Ah non, 10 ans. Mais il a été racheté en 1980 par Eddy Meeuws, qui est le créateur du Walibi original, donc le Walibi de Belgique. Il change de nom en 1989 pour devenir Walibi Rhône-Alpes. Non, qu'il ne perdra pas, parce que contrairement aux autres, il ne deviendra jamais Six Flags Rhône-Alpes, je suppose. Il restera toujours Walibi et il se fera racheter comme l'ensemble du groupe, à l'exception de Walibi Sud-Ouest et Walibi Lorraine qui sont devenus les Walligators, en 2006 par la CDA qui va reprendre le parc. Comme dans les autres parcs Walibi, la CDA va à partir de va travailler dès le rachat et va mettre en place dès 2011 le fameux rebranding Wabenskunks, absolument vraiment pas terrible. Et ce parc-ci va ne pas y échapper, ça va être même être un de ceux qui va le plus être transformé sous ce thème. Mais comme dans les autres, ça ne va pas durer très longtemps, car en 2016, c'est la fin, on arrête de faire des choses absolument horribles. Et le parc va être divisé dorénavant en trois zones. La zone Explorer Adventure, qui est juste derrière moi, qui est sous la base du Western, donc le thème original du parc. Une grande zone centrale qui prend toute la partie de l'entrée du parc, plus tout ce qu'il y a autour du lac, du petit lac, sur base du thème de la Nouvelle-Orléans. Et enfin, en construction depuis 2022, la zone sur Exotic World, donc un peu comme Exotic World à Walibi Belgium, derrière, dans ce qui était le parc aquatique à Walibi, qui est dorénavant fermé. Cinq crédits quand même dans ce parc, donc trois dans cette zone. La zone Explorer Adventure, donc la zone Far West, avec un peu de steampunk quand même, qui comporte donc trois coasters. Juste derrière moi, le boomerang local, qui s'appelle Generator, mais qui avant s'appelait Equalizer et qui avant s'appelait boomerang. Et qui a été jaune, mauve et maintenant bleu turquoise. Ouais, il a été repeint plein de fois. C'est un boomerang Vekoma, comme tous. Mais il a une particularité, c'est qu'il possède des trains comeback avec juste des lap-bars, la barre en fer, pas très agréable, mais quand même on n'a pas de baf et donc c'est quand même beaucoup mieux que les boomerangs classiques comme le Cobra ou le boomerang de Bellward. Thématiquement par contre c'est l'attraction la plus laide du parc, c'est de la tôle bleue, il n'y a rien d'autre, une file juste entre les deux parties du coaster. Oui, on pourrait faire mieux parce qu'en plus il est dans la zone sans y être. Voilà, il est au milieu du parc et il est un petit peu, il fait tâche quoi. Également dans cette zone, Woodstock Express, une Wild Mouse de Zamperla ouverte en 2002. Oui, j'ai oublié de dire que le boomerang a ouvert en 88. Donc la Wild Mouse, absolument horrible, pire que les Macs encore, déjà que les Macs c'est pas terrible. La montée, quand on se prend la chaîne du Lift Hill, ça fait mal au dos, on est tapé contre l'arrière de ce minuscule train, vraiment c'est minuscule, on n'a pas de place, on sait pas se bouger. Et évidemment, bah, c'est la fête aux jets latéraux et aucune autre sensation. C'est droite, gauche, hop, fin, fino, super violent, fin. Ne sert à rien. À mon avis, ne fait plaisir à personne à part peut-être aux enfants. Et encore, j'ai des doutes. Et Timber, le petit wooden, tout petit wooden de Gravity Group, mon premier Gravity Group, nouveau constructeur. J'en attendais pas grand-chose, mais j'en ai quand même été un peu déçu. En fait, je pensais, d'après ce que j'avais vu et lu, je pensais que ça vibrait pas du tout, en fait ça vibre quand même, on est loin d'un stampidin, hein, mais ça vibre quand même. Il y a quelques bons airtime et c'est très très nerveux par contre, hein. C'est tout petit mais ouf, ça enchaîne, hein. Heureusement que ça dure pas longtemps, hein. La tête elle est pas vraiment reposée. C'est un beau coaster familial qui aurait peut-être mérité avoir quelques mètres de haut en plus et un parcours un peu plus long. Sinon cette zone, on a fait également le spectacle, donc il y a deux spectacles dans ce parc, c'est exceptionnel pour les Walibi, hein. Les autres ils ont des salles mais ils les utilisent pas. Donc il y a un spectacle de plongée, très original, qu'on n'a pas fait. Et un spectacle, un stunt show, plutôt classique, qui s'appelle le Pouvoir de Gaïa, je pense. Qui se trouve donc tout au fond de la zone Explorer Adventure. Donc c'est un show qui ne casse pas trois pattes à un canard, mais bon, c'est toujours mieux que de ne pas en avoir, on va dire.
Y a énormément de références au film Retour vers le futur, La Grande Vadrouille, Star Wars, d'autres références que je n'ai peut-être même pas eues. Voilà, il y a des effets de feu, etc. Donc c'est un spectacle pas le meilleur du monde, mais qui a quand même le don d'exister. Et ça, c'est déjà un point très positif pour moi d'avoir des shows dans un parc. C'est dans cette zone jolie, un peu moins détaillée. Donc on voit vraiment qu'ils s'améliorent de plus en plus quand ils font leur zone dans les parcs Walibi. Parce qu'ici, c'était la toute première en fait qui a été refaite dans tout ce plan d'aménagement, avant même Exotic World à Walibi Belgium. Donc voilà, c'était un peu le prototype. Des World of Walibi comme ils les appellent, mais c'est quand même plus ou moins bien réalisé. Voilà, il y a d'autres attractions plutôt pour les enfants et voilà. Ah oui, et juste devant, encore une fois, des bouées réversion qui ne mouillent pas. Pourquoi ? Juste pourquoi ? C'est pareil au PAL. Pourquoi faire ça ? Ça ne sert à rien. Enfin là on les a pas faites, mais les trucs sont tout secs et on voit bien là que ça mouille pas un peu d'eau, pas une goutte d'eau. Plus grande, plus belle et dernière zone totalement rénovée du parc, la zone sur le thème de la Nouvelle-Orléans, thème vraiment pas courant, donc ça c'est déjà un point très positif, qui s'appelle en réalité Festival City et qui a été commencée en 2019 et qui a été terminée l'année passée en 2021. Donc elle a été faite sur trois phases, la zone avec les attractions plus pour enfants ici en 2019, Mystique et le reste également en 2019, Mystique ainsi que la rénovation du totem également en 2019, ainsi que toute la zone plutôt ville avec le restaurant où on a mangé ce midi en l'année passée en 2021. Et pour moi c'est probablement la plus belle zone. Tout parc Walibi confondu, elle regorge de détails, elle est vraiment, enfin dans la rue là-bas c'est vraiment très très joli, pas très grand. Il y a également aussi beaucoup de blagues ou de références absolument partout dans le parc. Je sais pas, par exemple, le bateau, on le voit pas, mais le bateau à eau qui sert de terrasse au restaurant, il s'appelle le Meuse, donc en rapport au créateur de Walibi Belgium justement. Et ça, pas beaucoup de Français qui viennent dans le parc doivent le savoir. Ça aurait été un peu plus le cas si ça avait été le cas à Walibi Belgium, mais j'en suis même pas sûr. Sinon, le restaurant où on a mangé le 438, c'était pas mauvais, c'était pas trop cher, c'était pas mal pour un self. Mais le restaurant, par contre, lui, est vraiment très très joli, il regorge de détails. Franchement, ça n'a rien à envier à un Disney ou à un PortAventura ou n'importe quel autre gros parc. Le restaurant, vraiment, il est magnifique. Et toute la zone autour, vraiment très très bien, avec des jeux de mots, par exemple, la bouche d'égout pour un restaurant, ou le café hanté, je pense, ça s'appelle ça, mais avec T-T-H-E-E. Et plein de jeux de mots partout, plein de références partout. Il y a également une tombe tout près de Mystique, où il y a la tombe de Wabeng Skunks, donc il est mis 2011-2016. Ainsi que d'autres blagues. Franchement, tout le parc regorge de blagues et c'est vraiment sympa, ça passe le temps et on cherche un petit peu partout dans le parc ces références ou ces blagues. Sinon, pour parler de Mystique, donc c'est un Infinity Gerstler ouvert en custom, ouvert en 2019. Meilleur coaster du parc, très 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 bon coaster, une très bonne surprise pour moi. J'avais un peu peur parce que généralement les flèches, les machins, ça me perturbe plus qu'autre chose. Finalement il est très bien, donc on commence par une montée comme dans beaucoup de Gerstler, finalement à la verticale, ça fait toujours son petit effet. Et puis en fait la disposition des lap-barres est faite de manière à ce qu'on soit extrêmement libre en fait. Et du coup dans la first drop on peut vraiment se laisser aller et se laisser projeter vers le fond. Et ça c'est vraiment une super sensation. Puis il y a une inversion que je ne saurais pas trop décrire mais qui est bien. Ensuite un dive loop super 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 bien. On est vraiment projeté de l'autre côté etc. C'est vraiment génial. Ensuite c'est pas très long quand même. On repasse sur la zone, sur le transfer track. Hop, et puis là on va sur la flèche et enfin une flèche sur un coaster qui sert à quelque chose, parce que là on va pas se contenter de faire ça, on va vraiment se retourner et on va vraiment pendant 2 secondes à peu près pendre dans le vide, juste retenu par la lap-barre. Et ça c'est une sensation que je trouve absolument géniale, c'est flippant à chaque fois, même en l'ayant fait 6-7 fois aujourd'hui. Et ensuite on repart un peu en arrière et on revient sur le transfer track. Niveau thématique, donc c'est vraiment un super coaster. Niveau thématique, ça va, la file n'est pas terrible mais au moins elle est à l'ombre et la gare est mignonne sans plus. Côté opération, il y a une Mystique qui est la seule attraction du parc avec une single, et il y a des fast pass, vous avez droit à 4 tickets pour 4 attractions
par jour, donc c'est 19€. Donc dans cette zone se trouve toute une mirabelle d'attractions pour enfants, Hurricane, donc ça c'est un carrousel à chaînes géant à 50 mètres de hauteur, donc le même qu'à Holiday Park. Et il y a aussi normalement, juste là, Tempo Attack, donc le film qu'il y avait au 4D de Walibi Belgium, mais ça a l'air fermé. Dommage, j'aurais bien aimé le revoir ce film-là, parce que c'est, il était, malgré qu'il soit sur le thème of Experience, il était vachement mieux que le film Far West Bizarre, qu'on dirait un truc de chez Carrefour, qu'on a maintenant. Et il y a aussi une Space Shot de SNS, juste à côté de Mystique, qui s'appelle le Totem, qui était déjà là avant la rénovation, mais qui a été adapté à la zone. En tout cas, cette zone est vraiment, pour moi, une très très belle réussite, et c'est vraiment un très bel avant-goût de ce qu'on aura. Enfin, j'espère qu'on aura, mais normalement oui, à Walibi Belgium, dans la zone autour du loup-garou et du vampire, parce que franchement, ouais, ça a de la gueule. Troisième zone du parc qui est en construction depuis cette année, en 2022, ce sera la zone Exotic World, donc qui est située tout au fond du parc, là où se trouvait avant l'ancien parc aquatique Aqualibi. Donc ce parc aquatique a été fermé il y a quelques années, je ne sais pas exactement quand. Ça avait l'air vraiment pas terrible d'ailleurs, hein, ça avait l'air tout petit, avec quelques bassins et deux trois toboggans. En tout cas, ça c'est fini, et le parc va entièrement redévelopper cette zone, et a déjà commencé d'ailleurs, sur le thème Tiki, donc exactement le même que Tiki Waka à Walibi Belgium. Donc, nouveauté cette année-ci, une grande plaine de jeux aquatiques, entièrement aquatique. Je ne sais plus le nom, Tiki quelque chose. Donc c'est bien quand il fait chaud comme aujourd'hui. Et il y avait plein de monde, donc c'est une réussite. Ainsi qu'un Twist and Splash de chez McRide, le premier que je vois personnellement. Donc il y en a un aussi à Rulantica, je pense, et peut-être d'autres endroits, je ne sais pas. Et c'est la fameuse attraction qu'on aurait dû avoir en 2020 à Walibi Belgium, au niveau de la zone western, juste à côté de la Dalton Terror. On ne l'a pas testé ici, mais ça n'a pas l'air si terrible que ça. Ce sont des sortes de tasses à café avec des pistolets à eau. Voilà. Sinon, le thème, c'est exactement le même. C'est les tiki, hein, les lampes sont les mêmes. Ça, c'est vraiment... Autant Walibi Holland est vraiment séparé thématiquement des deux autres Walibi, autant celui-ci et Belgium, ça se voit vraiment qu'ils sont liés. C'est exactement la même manière de faire dans thématiquement parlant. Donc, dans cette zone qui va être transformée, se trouve le Flume, Bamboo's River, qui est déjà plus ou moins sur ce thème-là, tout en étant un peu quand même encore sur le thème Weapon Skunks. Deux descentes, après ça mouille pas mal quand même, donc là-dessus on n'est pas vraiment volé, mais non, ça n'avance pas vraiment, voilà, vraiment anecdotique comme pas possible ce Flume. Aussi, mais ça on ne l'a pas fait, un Turbo Ride, je ne sais plus le nom, mais sur le thème de la musique, qui apparemment est vraiment nul et il y avait de la fuite, du coup on ne l'a pas fait. Et un crédit dans cette zone quand même, la Coccinelle, donc le Tivoli Tireur que tous les parcs semblent devoir avoir. Celui-ci c'est un large, exactement une copie de la course de Victor à Plopsaland, la Coccinelle de Belleward ou le truc à Tripsdrill, je ne sais pas, imprononçable. Comme d'habitude, Tivoli Tireur large, c'est les meilleurs de tous, tout en étant quand même pas terrible. C'est un bon débit, et à condition qu'on soit tout seul dans le wagon ou qu'on passe moins d'un mètre 30, ça ne fait pas trop mal au dos. À deux, par contre, c'est un petit peu fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de découvrir ce parc, même si on n'y reviendra pas, à part si, comme cette fois-ci, on y passe sur la route des vacances. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de Walibi Rhône-Alpes. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé ou pas. En tout cas, c'est un parc que, personnellement, en Belgique, on n'entend pas vraiment beaucoup parler. Mais c'était une belle découverte, et pour moi c'est peut-être, tout en étant le moins bien, le plus complet des Walibi. J'en ai ressenti un peu comme ça, donc c'est à la fois le meilleur et à la fois le pire des trois Walibi. N'hésitez pas, comme d'habitude, si ce n'est déjà fait, à vous abonner, à activer la cloche de notification, à commenter, mais ça je vous l'ai déjà dit, et à liker la vidéo, et à la prochaine pour de nouvelles découvertes sur Parc ATM.